Dans la foulée du débarquement des Alliés en juin 1944, de Gaulle arrive en Normandie. De Gaulle est venu pour rétablir les institutions et la légalité républicaine. L'égalité dont, bien évidemment, il pense être le seul représentant. La bataille de France a commencé. Son ambition est claire et sa stratégie inattendue mais surtout politique pour faire face au puissant parti communiste français. Cela passera par une ville clé, Rennes. Le 3 août, un commando gaulliste passe à l'action. Prendre les bâtiments officiels, le journal L'Ouest Éclair et Radio Bretagne. Pour parfaire le coup de force, il s'appuie sur une figure bretonne, député du Finistère, Victor Le Gorgeux. Après la guerre, reconstruire la République. Lundi 27 avril, sur France 3.